Tigre. Rospi? Palu, Sashwalim Shalam, Takar Hasam. Saila. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. Takar Ulimwan. Ku, Aika Guasta. Mi kauha ahatra guama guama Ada. Kuala ya Winja. Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujarra. Udam. Palhu Winja. Uguana. Winja. Haiwa Guasha. Santamsha. Orosu. Tigre dança do saco. Ai, volta lauba aqui está. Mi barra. Ça
Salut, salut tout le monde. Alors, je suis désolée pour le pending cliffhanger de la semaine dernière, mais voilà, je trouvais que c'était un bon moment pour arrêter la vidéo et au moins ça vous fait un petit peu de suspense en fin de vidéo. Je trouvais ça assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs, si vous aimez bien le concept ou pas. Bref, du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode de Far Cry Primal, comme vous avez pu le voir. Donc, on a trouvé une amie, du coup, la Ouija qu'on cherchait, enfin qu'on suivait la semaine dernière. Alors, du coup, R3 pour trouver, collecter les feuilles vertes pour Saïda. Ok, du coup, on va aller donc là-bas. Purée, faut aller loin, dis donc. On va aller chercher des feuilles vertes. Ok, alors on va descendre par là, on va descendre par là, descendre par là. Là il y a des trucs. Ah non, c'est pour descendre, ok, c'est pour remonter même. Je sais pas s'il y a un moyen de courir, j'ai pas encore trouvé. Non. Non. J'ai pas encore trouvé la touche pour courir. Je sais pas s'il y en a une. Allez. Ok, bon, c'est pas grave. On trouvera un jour peut-être. Est-ce qu'on passe là-dedans? J'ai vachement peur de me retrouver nez à nez avec une bestiole. Non, c'en était pas une là-bas? J'ai juste eu un peu peur. Oh, des petits cailloux qui sont posés tous les uns sur les autres. J'aime bien. Votre sac ne peut presque plus en contenir de jeu. Ouais, ouais, ouais. Oh, des petits papillons. Ou alors c'est des osios. Ouais, c'est des osios. On l'a passé là, non? Ah non, c'est ces trucs là-bas. Ce truc là, c'est ça? Appuyez sur rond. Vous accroupir et diminuer vos chances. J'ai pas eu le temps de lire. C'est quoi? C'est les trucs rouges là-bas? Ou c'est que c'est des gens? Ah, il y a un gens là-bas. Ah ouais! Madame. Ok. Krauas Handan. Ok, il y en a là-bas. Il y en a deux là-bas. Trois là-bas. Ok, bon, bah on va aller là-bas. Hein. Moi, je dirais, on va aller là-bas. On va éviter d'aller vers le gars là-bas qui a l'air de nous manger. Hein. J'ai pas envie de me faire manger. Du coup, on va traverser l'eau. J'espère qu'il n'y a pas des bestioles. Sinon, je vais encore sursauter. Ok, on va aller chercher les feuilles. C'est parti. Ok, il y a un cas ici aussi. Je ne l'avais pas vu. D'essayer de nous bouffer quoi. OMG. Bon, allez, il nous en reste plus qu'une. On va aller chercher celle qui est là-bas. En espérant pas se faire repérer. Non, ça a l'air d'aller. Ok, on se casse. Et on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. On se casse, les amis. On se casse. On va se dépêcher. J'aurais vraiment voulu pouvoir courir. Mais j'ai bien peur qu'on ne puisse pas. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi.
Il n'y avait pas un gars là-bas tout à l'heure. Voilà, c'est qu'il est prêt. Ça par contre, ce serait bien un gars. Ok, on va faire gaffe. Ah non, c'est une biche, ok. Bon, vous croyez qu'on peut se relever là? Des bestioles là-bas, mais ça a l'air d'être des chèvres. Hein. Du coup, je pense qu'on peut se relever et puis on va marcher un peu. Ils font des bruits trop chelous, les bestioles. Hein. Bon, allez, Clint, on se dépêche, on se dépêche. On fait de notre mieux, mais on se dépêche. Allez, allez, allez. Ah non, 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 ok, d'accord, je les ai butés sans faire exprès. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Il y en a marre des bêtises, là. Aïe. Ok, c'est bon, lui, on l'a eu. Allez, on se grouille, on se grouille, on se grouille. Allez, dépêche-toi d'entrer là. Y a pas, vraiment pas moyen de courir là. C'est bizarre ça quand même. Je stresse les amis, je stresse. Ça s'entend peut-être, je parle pas beaucoup. C'est parce que je stresse. Je me concentre. J'essaye de ne pas mourir. Hein. On va éviter de se la jouer un peu à Uncharted. Hein. Je rappelle que dans Uncharted, des fois je me suicide. Hein, on va éviter. Ok, on a réussi à rejoindre Syla. Du coup, on va lui donner les feuilles vertes. Syla. Shaja, Tani Chlauta. Ku Chlauta. Tani. Dubu, walna maiska. Ça va, on va pas. Ouais, ça doit pas faire du bien. Luhayam, Urusqua Pacham. Palhubayatar. Wool. Hers. Udam. Salwa Ticha. Uanna. Winja Waida. Uhai padas shwa. Ah non, faut encore que je parte en explore là. Trouve cousin Wenja Takar. Que cette grotte est sûre. Ah, mission terminée. Ok, on a fini la mission, les gars. Yes, ça y est, on a la carte. Bûcher de Nakuti. Ça, c'est quoi? Tensei, le chaman.
Non, sérieux, elle est aussi grande que ça, la carte? Oh my god, mais c'est géant! C'est gigantesque. Activer, désactiver interface. Waouh. Oh mon dieu. Ah oui, d'accord. L2, R2 pour zoom. Ah oui, d'accord. Ok, donc là, c'est le bord de la carte. Ça descend jusque là. Oh eh, mais c'est gigantesque, quoi. Waouh, la vache. Ok, ok. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a par là? Tout que ta carte. Votre village, celui qui est accessible par déplacement rapide. Donc là on a Takar. Ça c'est quoi? Lieu inconnu. Explorer ce lieu unique et découvrir le monde d'Oros. Donne de l'XP. Ça peut être intéressant d'aller là-bas du coup. Par ici on a des sangliers. Ah oui, il y a même les bestioles qui sont marquées et tout. Alors tous, mission principale. Mission principale. Nouveau foyer des Wenja. Rendez-vous au village pour continuer l'histoire et débloquer de nouvelles compétences et améliorations. Celui est accessible par déplacement rapide. Ok, donc du coup on peut aller en déplacement rapide ici. On va voir quand même les autres trucs. Quête secondaire. On n'a pas de quête secondaire ici. J'ai pas l'impression. Pas encore. Ensuite, objet de collection. Y a pas un truc là ? Main d'Aïcha. Des empreintes brillantes marquent des sites d'énergie spirituelle. Tiens, on va voir ça. Si on allait voir ça. Peut-être encore zoomer. Ouais, bon, de toute façon. Voilà. Suivez votre collection sur la paroi de votre grotte. Ok. Sympa, sympa. Ouais, on va peut-être aller faire ça avant d'aller à la grotte, vu que c'est pas loin. Après, il y a ça aussi. Ça nous donne de l'XP en plus. On va peut-être pas aller aussi loin, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Repères principaux. Donc là, on a le village. En truc rapide. Votre village. Donc ouais, ça c'est le village. C'est là où il faut qu'on aille, du coup. Donc ça c'est la mission principale vraiment. Et donc là ça doit être la grotte où est Syla du coup. Lieu, on a donc le lieu d'Oros là. Ça ça doit être Oros, non? Le monde d'Oros, ouais c'est ça. Et bah, pour le moment c'est tout ce qu'on a débloqué. Et chasse, ça nous donne les animaux du coup. Donc là on a les biches. Non, les chèvres, pardon. Là, on a des cerfs. Là, on a des sangliers. Et là-haut, on a des dholes. Un chien sauvage qui chasse en meute. On dirait un peu des... Comment on appelle ça? Des hyènes. On dirait un peu des hyènes. Bon, du coup, on va aller chercher la main. On va tout mettre. La main d'Aïcha. On va aller la chercher vite fait avant. Et puis, ce sera pas mal, je pense. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est la grotte, non? Ok. Alors, du coup, c'est par ici. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits trucs à se recrafter avant? Confection. Ça, on en a un sur deux. Ah, on peut améliorer. On peut crafter ça. Cool. Alors, on va crafter ça, du coup. Ouais. Nice. Un puissant gourdin entièrement fait d'os durci. Cool. Ça c'est quoi? Il faut de la peau de sanglier pour faire le sac à viande. Et pour avoir un carquois, il nous faut des peaux de dole. Du coup, il faudra qu'on aille un peu plus loin. C'était comment pour choisir son arme déjà? Je sais plus. Non, c'est pas ça. C'est... Ah, c'est ça. Maximum de munitions. Ensuite... ah oui, c'est comme ça. Pourquoi j'ai des flèches? Ah ouais, d'accord. Gourdin, châssis sanglant. Confectionné.
Ok, on en a deux. Ça aussi. Ok, et ça... Hop, on va en refaire un maximum. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, on va garder l'arc, du coup. Comment on fait déjà? Comme ça? Ouais, c'est bon, on a l'arc. Hein. Oui, oui, t'inquiète. Je vais chercher la main d'Aïcha, là. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bestiole. Bon, c'est bon, tout va bien. Ça a l'air d'aller. Ah, c'est ça là-bas. Je crois qu'on l'a trouvé, les gars. On l'a trouvé, on l'a trouvé, on l'a trouvé. Faut juste trouver comment y aller. Et ben, on va essayer de passer par là, hein, je crois. Comment je suis censée grimper là-haut, moi? Descendre. Ok. On l'a bien vu là tout à l'heure, non? Ou alors c'était une bestiole? Parce que... Ou alors c'est qu'on l'a trouvé déjà. On va regarder sur la carte. Zoomer. Main d'Aïcha. Activer, désactiver interface. R3, centré. Non, ça me centre sur moi. Ok, retour. Non, mais moi je veux ça. C'est quoi ce symbole là? Non, et puis alors là, pour y accéder. Te dire, c'est pas évident. Alors, à moins que ce soit en bas là, je ne sais pas. Ah, oui, c'est là. Ramasser main d'Aïcha. En fait, c'était dedans. Ok, cool. Du coup, on a gagné 250 XP. C'est quand même pas mal. Hein. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ok, du coup, on va. Bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, t'es qui toi? Ah non, c'est bon, t'essayes là. Tu sors pas trop de la grotte. Hein. Je veux pas que tu te fasses tuer. Hein. Ok, on est d'accord. Bon, merci. Ouais, ouais, ouais. Du coup, il fallait qu'on aille. Pourquoi j'ai pas le village déjà? Déplacement rapide. Oui. Là, on revient dans la grotte. On est d'accord. Ah ouais, d'accord. Ouvrir cage de récompense. Cage de récompense. La cage de récompense est un endroit où les ressources et les objets sont stockés. Cherchez l'icône sur la carte. Vous pouvez accéder à la cage de récompense depuis le village et depuis n'importe quel avant-poste, bûcher ou feu de camp conquis. Les objets sont directement placés ici à la prise d'un avant-poste et quand votre population augmente, Saïla, la cueilleuse, ajoutera de nouveaux objets tous les jours une fois sa hutte construite et même les objets rares avec l'amélioration 2. Revenez-y régulièrement et prenez les objets dont vous avez besoin. Ok. Ressources pour les armes. Graisse animale. Voiture. C'est la cage de récompense, ça? Transférer.
Eh ben écoutez, on va remplir nos ressources, hein, j'ai envie de dire. Comme ça, on sera tranquille, on pourra crafter ce qu'on voudra quand on voudra. J'ai envie de dire, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Ça, c'est quoi? Ceinture de chasseur. Bah écoute, les bombes à piquant sont des sacs remplis d'abeilles furieuses. Jetez-les sur vos ennemis et courez. Ok. Et de la viande, ok, d'accord. Donc ça, c'est pour... Ok, ok, ok. Alors, ça, on va transférer... Ah, du bon, on peut en on prendre jusqu'à 50 des petites brindilles. Bois d'aulne. Ok. L'ardoise, c'est pareil. On peut en prendre pas mal. Ça, c'est pareil. On peut en prendre pas mal. Pot de bait, bah, il n'y en a pas. Et c'est pas mal. Ok, cool, cool, cool. Du coup, ça, c'est toute la grotte, en fait. Et dans la grotte, on a tous nos trucs. Ok, super. Donc là, on a de quoi se reposer. Ok, et là-bas, là, il y a l'air d'y avoir des trucs encore, non? On va explorer la grotte un peu, et puis on se laissera là après, je pense. Village, progression du village en construction. Ok. 0 sur 16. Bon, d'accord, très bien. Progression, voyage terminé, 1 sur 3, 1 sur 13, dans le monde d'Oros. Ok. La vache. Mais en fait, il y a vachement de trucs à faire, dis donc. Paroi de la grotte, 1 sur 13, voyage terminé, for une dame, for Isa, Isila, pardon, chasse de maître des bêtes terminée. Ah, c'est toutes les quêtes, ça, en fait. Tous les objectifs... Ouais, c'est ça. Oh la vache, c'est trop bien fait. Bêtes chassées, apprivoisées. Oh, on peut apprivoiser des bêtes aussi. Objet de collection. Main d'Aïcha, 1 sur 100. Ok. Wow, bah, y aura plein d'explorations à faire et tout. Oh, ça va être trop bien. Ce jeu me plaît énormément. C'est bon, je suis conquise. Arc amélioré, gourdin amélioré, sagui amélioré. Ok, d'accord. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il reste ici encore. Lieu important découvert. Ok, bon, on n'en a pas encore découvert. C'est pas grave. Du coup, on a fait le tour. Non, il reste là. Avant-poste ébûché. 0 sur 31. D'accord. Bon, bon, bon. Bah, ça promet que du bon tout ça. Donc, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Vous aurez pas de fin d'épisode un peu cliffhanger cette fois-ci. Je vais vous laisser une fin d'épisode très très sérieuse, hein, où je vous dirai ben, à la prochaine pour un prochain épisode. J'espère que ces épisodes vont vous plaire. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les épisodes, dans les commentaires d'ailleurs. Si ça vous plaît, si les vidéos sont pas trop longues, pas trop courtes. Et puis si vous avez des petits conseils, parce que je découvre totalement le jeu, hein, je ne connais pas du tout le jeu, je n'ai joué à aucun des Far Cry avant, mais pour le moment ça me plaît pas mal, donc franchement je pense vraiment, vraiment bien avancer dans cette série. On va essayer de la faire au maximum. Bon, je passerai peut-être pas 3 ans dessus non plus, je ferai peut-être pas toutes les quêtes à 100%, etc. Sauf si vraiment je suis vraiment emballée par le jeu et que... Parce que des fois j'ai des petites manies comme ça où j'ai vraiment envie de tout réussir. Donc je verrai si je peux, si j'ai envie, si tout ça, tout ça. Et sinon on fera les quêtes principales surtout. Histoire de connaître un peu toute l'histoire de ce jeu. Mais en tout cas pour le moment il me plaît énormément. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu déjà. Rien qu'avec ces deux premiers épisodes. Dites-moi aussi au niveau de la qualité graphique du jeu que vous voyez là sur mes épisodes. Parce que en fait... j'ai changé de bureau actuellement et je suis 2 étages plus haut que mon appartement. Et en fait j'ai internet qui passe via un CPL, donc c'est pas connecté directement à la box. En fait si vous voulez ça passe par les prises
par les prises électriques et du coup j'ai ma qualité d'internet qui est un peu descendue et étant donné que là je joue sur la PS4 mais à partir de mon ordinateur ça passe tout par internet et du coup des fois voilà quand je bouge un peu trop là par exemple ça pixelise à mort j'ai l'impression donc dites moi si vraiment c'est dérangeant pour vous je vais essayer de voir pour m'arranger autrement sinon bah, je continuerai comme ça mais je pense que ce serait quand même vachement plus sympa si j'arrivais à me débrouiller autrement donc bah, dites moi dans les commentaires si vraiment c'est dérangeant j'attendrai vos réponses pour pouvoir continuer. Et puis voilà, bon bah du coup moi je vais vous laisser là, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner comme d'habitude, en tout cas bah, je vous remercie déjà pour les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, à la semaine prochaine du coup, et puis on se retrouve en live pour ceux qui me suivent en live quasiment tous les soirs, hein, du lundi au vendredi. Si vous voulez avoir les horaires et les jours exacts des lives, je vous invite à retourner voir mon vlog de 2017, celui de Bonne Année 2017, où dedans j'explique un peu toutes les séries qui sortent, un peu tous les lives, etc. Donc n'hésitez pas à retourner la voir, c'est tout marqué dans la description. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, j'arrête de blablater, parce que moi quand je m'y mets, je suis une vraie pipelette. Donc bah voilà, bah allez, bisous tout le monde, et puis à la prochaine, ciao, ciao!